tout le monde, ici Gamer King pour ce nouvel épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Comme d'habitude avec cette magnifique musique. Oh mon dieu. Bon bref. Dans le dernier épisode, on a tout simplement reconstruit ce petit canon, voilà, qui est ici. Et, ok. Non, c'est parce qu'il y a des impressions que mes contrôles sont un petit peu en décalé. Bref, dans le dernier épisode, on a tout simplement retrouvé ce canon des Célestiens, ici. Link. Link. Oh, il oublie pas. Minute. Je vais aller vite. Ouais. Peut-être qu'il est faible. Non, je ne sais pas. Non, je passerai pas. Une minute, je vais. C'est soit qui est décalé ou soit mon appareil de capture. Il y a un problème. Il y a un problème. Ouais, j'ai l'impression que c'est mon logiciel de capture. Mon appareil de capture. Bref, c'est pas trop grave. Allez, reprendre. Allô? Ok, reprendre. Ok, désolé pour cette petite interruption. Bref. On a reconstruit ce canon pour aller à Celestia. Donc, le septième donjon, tout simplement. Puis, c'est ça. Et on a aussi réanimé le bâton. Anima qui avait perdu sa puissance en revenant dans le présent. Voilà, c'est à peu près tout. Et donc, on peut aller au septième donjon qui est Celestia. Qui est un donjon que j'aime assez bien. Et évidemment, Baba et son fils viennent nous accompagner. C'est tout le temps comme ça. Ok. Enfin, nous voilà de retour. C'est nous. Ce nom. Bienvenue dans notre pays, la cité des Célestiens. Profitons-en puisque tu es là. Je vais te faire visiter la ville. Oh. Oh, mais c'est terrible, terrible, jeune homme. Il semblerait qu'un dragon sème la terreur à l'extérieur de la ville. Je suis inquiet pour les autres. Je veux vérifier ce qui se passe dans ce magasin là-bas. Bon, on s'en va voir qu'est-ce qui se passe dans ce magasin. Il faut faire aussi extrêmement attention. Donc, ça nous prend. Pourquoi ça décide de laguer comme ça? Bref. Voilà. Allez, mets-toi comme ça dans les bottes. Et va à son magasin. Les bottes vont nous empêcher d'être poussés par le vent. Donc, c'est super pratique. Voilà. Parfait. Et on a réussi. Et on s'en va dans le magasin. Et voilà le magasin. Tout simplement. Et Baba se trouve là-bas, ici. Link, qu'est-ce que tu fais? Link.
Oh là là. Une minute. Une minute. Oh là là. Ah! J'arrive tellement pas à contrôler ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Une minute. Ok. Ok, ça a l'air d'être correct, là. J'espère. Quel dommage. Quel dommage. Je suis désolé, jeune homme. Quand je pense que tu as fait tout ce chemin pour nous rendre visite. Oh, tu n'es pas là pour visiter la ville? Je me fais du souci pour ceux de ma race. Et dans un moment pareil, qui pourrait rester, c'est soit à attendre. Je te suis, jeune homme. Je te suis, jeune homme. Je ne peux pas te téléporter jusque sur la terre ferme, mais je te déposerai devant ce magasin. Et si tu désires sortir du donjon. Bon, voilà. Baba vous accompagne à présent. Mais peut pas nous emmener sur la terre ferme. Voilà, go. On peut y aller. C'était seulement pour récupérer Baba. Il y a un magasin sur Celestia. Qui, perso, je me suis jamais servi. Bref, je mets mes bottes en fer pour pouvoir passer. Sans ça, le vent va me pousser. Et en même temps, je vais aller chercher le coffre là-bas. Sûrement pas avec la tenue Zora, parce que je suis un gros paresseux. Je suis flemmard. Donc voilà. Et on a des hydrobombes. Ok, ouais. Il y en a d'autres coffres, on dirait pas. C'est pas par là. Ça, c'est un canon. Donc, c'est sûrement pas par là. Là, il y a rien. Le canon, c'est seulement pour retourner sur la terre ferme. Donc, ça nous sert à rien, tout simplement. Là, je mets les bottes de fer pour pouvoir passer. C'est quand même un petit peu plus simple que d'y aller sans les bottes de fer. Parce que on se fera pousser par le vent. Et ça, c'est sien. Donc, on prend l'arc pour ouvrir le cristaux. Frapper le cristaux. Voilà. Donc, on peut y aller. Dans cette porte-là. Là, je peux enlever ça. Ça me servira plus à rien. Et voilà la cinématique du donjon, en quelque sorte. On est sur Celestia. La musique, je la trouve vachement, mais vachement belle. Honnêtement, dans celle-là-ci, les musiques sont extrêmement bien faites, tout simplement. Bref. Là, il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention à ma droite et ma gauche, parce que... Vu... Étant donné que j'ai joué sur la version... oui. J'ai un petit peu une difficulté avec ma droite et ma gauche dans ce jeu. J'ai l'impression que mon boîtier fait des trucs chelous avec ma manette. Bon, bref. Allez, va-t'en. Bon, bref. C'est pas trop grave. On va aller viter. Parfait. On peut... Prendre le cœur et sortir vers là. Je crois ramasser l'objet du donjon comme d'habitude et vous laisser là. Ça ferait une belle durée d'épisode, selon moi. Lui, je sais pas comment le... Ah oui, c'est comme ça. Comme ça. Faut qu'on le frappe dans le dos. Et on peut pas enlever son armure. Viens-t'en. Allez, va-t'en. Allez, parfait. On l'a buté.
On peut pas enlever son armure à lui, donc on n'a pas le choix de le buter comme ça. Donc là, on passe, on fait attention. Je crois que c'est par là. En tout cas, j'espère, parce que sans ça, je me serais trompé de côté, mais c'est pas trop grave. Ouais, ça doit être là. Ouais, je pense que c'est là. Il fallait que j'aille à la base. Parfait. Et on prend à la place du grappin l'aérouage. Parfait. Et on le frappe. Bon. Ok, go. On fait ça. Et on commence à tourner. Et je me suis trompé de bouton, donc c'est pas bien. Allez, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On tourne, on tourne. Allez, 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 Link. Tu es capable? Ouais, parfait. Ça sort. Allez. Et oui, parfait. Je vais juste prendre les pots. Parce que ça, c'est cool. Ok, plus de flèches et plus de... Oh. Attends. Ces mobs-là me saoulent, mais royalement, c'est n'importe quoi. Bon, allez, on y va. Et ça prend une clé, mais on n'en a pas. Donc c'est l'autre côté, il fallait que j'aille. Voilà, je me confonds toujours. Je confonds toujours. Je confonds toujours. C'est fou. Allez. On attend. Voilà, on traverse. Je crois que c'est par là-bas. Et oui, je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on traverse. Une minute. Une petite minute. C'est ça que je pensais. Salut. Viens-t'en. Viens-t'en. Petite poule. Allez, on y va. Parfait. Et là, on lance. Et on fait vraiment attention avant de ne... Pour ne pas se casser la gueule, en quelque sorte. C'est parfait. Que, pas que je vise ça, mais que j'aille par là-bas. Voilà, non. Je veux ça. Parfait. On va par là-bas. Et on utilise la héroïne. Ah, ici. Parfait. Et on appuie sur Y. Go. Allez. Et je crois que c'est pour avoir la clé qu'on a vu tantôt. Voilà. Et on s'agrippe là-dessus. Parfait. Là, je vais mettre mes bottes de phare pour traverser. Go, c'est parti. Voilà. C'est pas très compliqué comme donjon. Par contre, le prochain, j'ai des mauvais souvenirs. Je sais pas pourquoi. Mais j'en garde des mauvais souvenirs du 8e donjon, tout simplement. Ça, je m'en rappelle. Mais voilà. Celle-là, c'est pas si mal, en fait. Il y a beaucoup d'allers-retours, puis je garde quand même assez des bons souvenirs de Celestia, mine de rien. Mais il y en a... Le 8e, j'ai pas de bons souvenirs. Donc c'est ça. Tout. C'est où qu'il faut que j'aille. Ouais. Grappin. Voilà. Parfait. Je vais prendre le coffre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et c'est une petite clé. En fait, c'était tout simplement aller là pour aller chercher la petite clé qu'il nous fallait.
Parce qu'après, on peut rien faire. Ça nous prend l'arme du donjon. Que vous allez voir, c'est quoi assez vite. Mais ça nous prend l'arme du donjon, tout simplement. Donc, ça nous prenait une petite clé. Et on retourne à la porte que ça nous prenait la petite clé. Donc, on y va. Je sais pas c'est comment qu'il souffle. Le vent, non, c'est pas bon. J'attends qu'il arrête de souffler. Je pensais qu'il soufflait dans le dos. Donc, ça aurait été tellement plus le fun. Attends. Bon, on parle. Go, on y va. Allez, on y va. Allez. Allez, Link. Allez. Allez. C'est juste pour accélérer tout simplement que je fais ça. Et il se passe quelque chose. Oh mon dieu. Et le pont a été détruit tout simplement. Donc on peut plus vraiment y aller. Pour ça que ça sert ces trucs là. Vous allez voir pourquoi plus tard. Mais je ne vais pas vous les montrer tout de suite. Donc on savait l'autre côté où qu'on avait besoin de la petite clé. Vraiment cette salle là pour l'instant nous servait seulement pour avoir une petite clé. Donc c'est pas parti, non, pas comme ça. Peut-être, oui, comme ça. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Bon. Vous êtes tombé, c'est cool. C'est cool, un fail, tout le temps, tout le temps. Il faut qu'il y ait un fail, sans ça, c'est pas un vrai épisode. Ça doit être par là, en fait. Non, même pas. J'essaie de trouver comment sortir de là. En fait, je fais le con, mais je pense que je sais c'est par où. Oui, je sors de cette salle-là, mais je pense savoir où que c'est. C'est tout simplement... non, vise pas ce ligne, mais vise plutôt là-bas. Là-bas, parfait. Allez, vise ça. Et bon... Parfait. Ça doit être plus par là, en fait. L'entrée. La sortie plutôt que l'entrée. Et oui, parfait. C'est juste parfait. Donc, on y retourne. Là, j'ai l'impression que ma manette n'est plus décalée, donc c'est vraiment cool. Elle décide plus d'être trop en décalage. En décalement. En décalage. Donc on y va, on s'en va à la porte où qu'il y a une clé pour, je sais plus qu'est-ce qui se trouve derrière cette porte, même si ça fait quand même assez longtemps que je n'ai plus touché à Zelda Twilight Princess. On enlève les bottes et on ouvre la porte. Ah, c'est celle. Ok, c'est ça. Moi, j'ai une petite idée. Mais je vais juste essayer de me débarrasser d'eux. Parce que ils vont être zénards. Voilà, on peut traverser. Là, comme vous pouvez voir, le sort de ventilateur souffle sur des blocs bleus. Les blocs bleus tombent. Donc, il faut qu'on fasse tout simplement ça. Parce que sans ça, on aurait tout simplement tombé instantané, vu qu'avec les bottes de fer, on n'est pas extrêmement lourd non plus. On est extrêmement lourd plutôt. Là, on peut pas vraiment, donc ça demande de la réflexion, parce que il faut qu'on... arc.
Mais je pense pas que c'est tout de suite, je ne suis pas vraiment sûr, je ne pense pas. Donc, j'irai dans cette porte, j'irai, ça se dit mieux. Une minute, si je bouge pas, c'est normal, j'essaie de mettre un écouteur qui vient de tomber. Voilà, il y a un coffre ici, qui doit contenir sûrement la carte du donjon, et voilà. C'était trop simple. C'est pratiquement tout le temps comme ça dans les Zelda. Parce que ici... Non, je peux pas vraiment traverser. Parce que c'est nécessairement par là. Il y a là. Attends. Je vais peut-être commencer à voir. De quoi? Par là, go. Et oui. On tourne. Non, j'ai oublié. J'ai oublié qu'il y avait du vent. Ne jamais oublier ça. C'est quand même une règle assez importante. Sans ça, on se fait pousser par... le vent. Allez, on fait attention à cette règle importante. Et on peut les enlever parce que ça va plus vite, Link, sans botte. Allez, on l'enlève, sa carapace, on le frappe. Ah, par là. Je crois que c'est même... c'est pas pour un temps, ça c'est vraiment cool. Ah, le vent. À cause du vent, vous pouvez voir que ma flèche va juste faire pouf. Va mourir. Va juste faire non, ça me tente pas. Peut-être le boomerang tournade, mais non, ça m'étonnerait. Elle est là. Ah, le grappin. Le grappin sert pas. Va là-bas. Parfait. Ça va être celle que je voulais. Parce que les flèches auraient rien servi vu que je me trouve avec du vent extrêmement fort. Donc les flèches n'atteignent jamais leur cible. Donc le grappin était la meilleure solution. C'était un petit peu... C'était assez facile comme énigme, honnêtement. C'est juste que je ne m'en rappelais plus trop. Donc on va par là. Là, il faut quand même faire attention, là, de mémoire. Bah, il y a des bourrasques de vent qui soufflent de nulle part. Donc, il faut quand même faire extrêmement attention. Attends. Attends. Parfait. Non, vite, 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 remonte, Link, arrête. Oh, va-t'en, Link. Va-t'en, tu mérites de mourir, non. Non, va-t'en. Bon, on recommence. Ça va être le fun. L'extase, tout ça. Allez, parfait. Oui, j'ai eu. Oh, fais attention, Link, s'il te plaît. Ah, par là, il y a un mob. Donc ça... C'est parti. Et voilà. Je vais remettre les bottes de fer. Parfait. Là, il faut que j'aille par là. Oh, c'était vu. Je m'éloigne. Attends. Ok. Je pense que je vais garder le boomerang tornade. Attends. Parfait. On va par là. Et on s'en va chercher tout simplement le coffre ici.
qui va nous donner sûrement des rubis, voilà. C'est pas plus mal, c'est parfait, c'est ok, puis j'ai encore tombé. Je crois que je perds un cœur à chaque fois que je tombe, donc il faut vraiment faire attention. Quand même. Je crois. Je ne suis vraiment pas sûr. Je suis pas sûr dans ce... Zelda-ci. Parfait. Au moins les mobs qui sont cassés, on les a tués, c'est parfait. Allez. Par là, parfait. Donc on traverse là-dessus. En faisant attention à ces mobs-là. Puis au bourrasque devant. C'est parfait. Je vais aller là, sauter encore. Et c'est juste parfait. On a traversé cette salle-là sans, sans grosse difficulté. Et il y a des mobs qui veulent nous battre. Ok. C'est parti. Venez. Allez, va-t'en. Allez. Ouais, parfait. Non, qu'on dirait que j'ai tué. Bon, bref, je sais pas. Allez. Même pas. Attends. Allez, va-t'en. Parfait. Il est sûrement mort. Il est tombé de toute manière. Donc, il est sûrement mort. Il est sûrement mort. Voilà. Voilà, une salle remplie de babas. C'est trop cool. Non, mauvais. Mauvais bouton. C'est par là. Parfait. Et on casse les pots avant. Toutes de choses. On va avoir des rubis. Frapper les babas. Et ouvrir ça. Qui permet d'avoir un vin, mais je ne sais pas trop à quoi que ça sert. C'est ça, ça? Non. Ah oui, bah ok, j'ai compris. J'ai compris. Il y a des babas. Les babas, ça sert à quoi? Ça sert à planer, en quelque sorte. Donc on prend un baba. Avec des... C'est assez bizarre. Et on commence à flotter. Et ça nous permet de nous envoler vers l'infini et l'au-delà. Voilà. Et on ouvre la porte. C'est où qu'il faut qu'on aille? Ça doit être par là-bas. Viens-t'en, baba. Je saute. Attention. Parfait. Il y a un coffre par là-bas, donc je vais aller le chercher. Allez, fais attention. Allez, oh. Où que tu sors? Mec, où que tu sors? Putain! Tu m'as fait peur! Va-t'en! Bon. Je vais juste te remonter. Et prendre. Je vais juste te prendre le coffre qui est là-bas. Allez, fais attention. Parle là. Parfait. C'est juste parfait. Ah oh. Ça a fait mal. Et c'est un rubis mauve. Ok, ça peut être utile, voilà. Ça va être sûrement utile pour plus tard, pour les quêtes annexes. Donc, voilà. Je vous dis que je ferai sûrement un autre épisode de quêtes annexes. Je peux-tu aller le chercher? Oui, de là-bas en plus. Le même, on attend. Allez. Par là, on va aller chercher le lustre. Pour faire activer le vent là-bas. Ça va être cool. Et donc, on prend Baba et on s'envole. Vers l'infini et l'au-delà.
et l'au-delà. Voilà. Voilà, parfait. Et on descend là. Je crois que c'est notre arrêt. Avec ces magnifiques pots. Voilà, on prend les pots. Parce que Link n'a pas de pitié envers les pots. Tout le monde le sait. Donc il faut qu'il le démontre. Démontre. Bon. Ok. Là, on est rendu dans peut-être la salle principale, on pourrait dire, de ce donjon. Allez, viens-t'en, papa. On s'en va. On descend. Oui. Bon, on attend. On reprend. On redescend. On attend, on attend, on attend. On peut même faire le tour de l'édifice si ça nous sente. Et go, on descend encore plus bas. On fait vraiment attention au bourrasque devant aussi. Ça nous aidera pas énormément si on descend avec notre petit baba. C'est par là. Il faut qu'on aille. Et on va arrêter bientôt l'épisode. Parce que je crois qu'après ça, c'est le mini-boss en quelque sorte. Je crois. Grappin. Ouais, c'est ça. Je vais mettre les bottes de fer. Parfait. Allez, on descend. Allez, dépêche-toi. On descend. Bon, on est encore avec nos bottes de fer, mais c'est pas trop grave. Parfait. Donc on va essayer de le capturer. C'est assez simple. Vous allez voir. Là, quand il fait ça, on le prend par le bouclier. Et on commence à le frapper tout simplement avec notre épée. Donc là, on fait attention. Ah, oh, ça fait un petit peu mal. C'est un petit peu piqué. Voilà. C'est beaucoup plus au sol qui esquive. Allez, parfait. Ben non, c'est plus en vol qu'on peut l'attaquer. C'est plus simple comme ça à dire. Bref, voilà, c'est plus en vol. C'est plus en vol qu'on peut l'attaquer. Et on doit tout simplement là on est rendu dans sa deuxième phase. Là il faut qu'on fasse, attention parce qu'il sort carrément du terrain dur. Voilà, vous allez voir. Il faut qu'on voie où qui ressort par là. Puis on fait super attention, comme là il vient de ressortir. Là, il est là quelque part, je tourne et voilà. Parce que je l'avais pas vraiment vu. Parce qu'il faut vraiment faire attention par là. J'ai vu. Merde, j'arrive même pas à le viser, c'est n'importe quoi. Et donc toi, parce qu'il va m'attaquer? Non, même pas. Ah, par là. Mais pourquoi tu veux pas viser? Ah, putain, Link! Vise! Z, ça sert à ça. Ben, Z... Z d'elle, voilà. Non! Pff, Link! Le boulet, putain, non! C'est pas comme ça! Tout est la faute de Link. Voilà. C'est dit. Par là. Allez! Parfait! Non! Oh, putain, Link, sérieux! Bon, bref. Tout est de la faute de Link. On va le dire. Tout est de ta faute, Link. Voilà. Ça aussi c'est de ta faute si on gagne. Voilà. Non, ça n'a pas rapport. Mais on s'en fout.
Bref, Link, voilà. Avec tes conneries, on a réussi à gagner quand même, c'est cool. Mais tu fais trop de conneries là, c'est fou. Et voilà, on a l'objet du donjon tout simplement. Je vais aller prendre le petit cœur qui est là. Prendre mon grappin, monter là-haut. Et aller chercher l'objet du donjon. Et voilà, on obtient seulement un grappin, donc ça nous permet d'avoir le double grappin. Donc voilà le deuxième objet. On a obtenu un deuxième grappin, mais là on en a tout simplement deux. Donc on est plus badass. Voilà, on peut remonter comme ça. Personnellement, on peut pas monter par là, mais on peut monter par là. Et après, on monte par là-bas. Et après, vu qu'on a le double grappin, ça nous permet de refaire ça tout simplement. Je vous montre le truc du double grappin. C'est ça, tout simplement. Là, on peut aussi se péter un petit peu les genoux en foirant. On recommence par là. Donc là, il faut faire vraiment attention pour s'agripper sur les lianes. J'ai l'impression. On recommence par là. Ouais, parfait. Et on peut remonter. Et voilà. On va se laisser après cette porte-là. Parce que ça fait 40 minutes qu'on est ensemble, donc c'est énorme. On va se laisser tout simplement ici. Avant toute chose. Voilà. Je voulais le buter. Bref. En espérant que cet épisode vous ait plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça ferait extrêmement plaisir. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans le prochain épisode, on va tout simplement terminer le donjon Celestia. Puis on se rapproche, mine de rien, de la fin du jeu. Malheureusement, j'ai envie de dire parce que c'est un jeu que je kiffe faire. Mais voilà. On se rapproche dangereusement de la fin. Puis c'est ça. Donc dans le prochain épisode, on va terminer Celestia. Et peut-être après l'épisode qu'on va terminer Celestia, je crois qu'on va partir sur des quêtes annexes à nouveau. Voilà. Donc, je vais pas en faire énormément. Je vais faire ce qui m'intéresse vraiment. Vraiment. Donc, ça pourrait être intéressant. Voilà. En espérant que cet épisode vous ait plu. Donc, je suis perdu dans mes mots. Je dis ça tout mélangé. C'est n'importe quoi. Bref. En attendant. Attendez, j'essaie de trouver c'est quoi que je dis d'habitude. Je m'en rappelle plus, putain, non, sérieux, c'est quoi? Bref, ah oui, c'est ça. Dans quelques jours pour le prochain épisode de Zelda Twilight Princess HD. En attendant, moi, je vous dis, portez-vous bien, amusez-vous bien surtout, et bye tout le monde. Allez, bye bye. We'll be right back.